Non, mais au revoir. Il y a trop de bateaux de partout là. Regarde comment il avance trop vite le mini-caisse quoi, putain. Leur service quoi. Non. Fais gaffe à ses torpilles, il a déjà lancé. Pas bien le choix. Attends une minute 30 pour avoir les moteurs. Je suis chanceux. Le pauvre Kawashi, ça doit être une souffrance de jouer ce bateau. Et apprends ça, tu en feras. Ouais, j'irais plutôt, moi, que rêver à l'envers, c'est un cauchemar de voir la fin avant même de connaître le début. Et le cauchemar peut même se prolonger quand tu te réveilles justement avant le début. Il te permet de pas savoir la fin. Du coup, ça te crée une frustration dans ton rêve. C'est pas de tes cas. Mais dors toi. Ah, c'est parce que c'est trop intelligent pour toi, il y a ton cerveau qui essaie de réfléchir. Okay, tu vas lancer les torpilles, attends, je te calme. Non, les torpilles, elles ont pas la portée. Je vais mettre en feu, ce quoi. Bon, je vais me tourner, je vais me péter le nez parce qu'il m'énerve un peu. T'as eu la chemise. Ah, mais... putain, ma femme, elle a touché un point, elle a créé un paradoxe spatio-temporel en fait. Rêver, si vous le faites à l'envers, ça fait rêver, hein. Il est quand même bien maniable, Miyogi, par contre. Et je vais mettre les torpilles. Donc, ma femme, en 30 secondes, vient de prouver qu'on ne peut ou ne pas faire de rêve à l'envers. Elle est trop forte. Ah, tais-toi donc. Putain, je vais juste te torpiller là. T'as combien de portée les torpilles là-dessus? 5,5 km, c'est pas possible que je le touche là. Par contre, s'il va dans le mur, c'est free. Hein. Ah ouais. Ah non, mais je vais dans l'autre sens. Quoi. Non, mais là, t'es gratuit, mec, hein, si tu t'offres comme ça. Là. Ah putain, t'es sérieux, je veux plus ça. Et l'autre qui balance ses torpilles comme un enfoiré. T'as les slides, l'enfoiré c'est chaud, des fois de le choper quoi, c'est ça. Ouais, mais en fait il est en max de testing. Matt, je le crains. Putain, l'enfoiré est slide. En même temps, Matt, seuls des êtres supérieurement cons peuvent nous comprendre. Oh putain, en fait on se fait péter quoi de l'autre côté, nous. Que partie remise, attends, je reviens. Bon, attention, torpille, il tourne direct. C'est la chance. Quand t'as des torpilles qui arrivent comme ça, tu cherches pas à comprendre, tu coupes direct tes moteurs, tu les relances à fond. Et à toute vitesse, hein. Tu coupes tes moteurs, tu les relances à fond et tu tournes à fond à droite. Moi, il esquive ça. Là. J'ai vu tous les ricochets. GG pour les torpilles, hein. Sans PV, bon normalement là je l'ai. Ouais, je termine. Ouais. Ça va. Par contre, ce serait bien que vous commencez à capturer leur base en uniquement les bateaux, vous les gagnez. Parce que là, c'est le seul moyen pour vous de gagner, les gars.
Ouais, je suis d'accord. Ouais. Neuf l'autre là-bas. J'aurais tué la petite saloperie là. Ouais, y'a un destroyer qui est tout près de vous. Hein. Ah, je vais essayer de l'avoir. Quoi? Concentre-toi sur Kohlberg, envie. Ouais, mais il me fait peur le destroyer derrière. Non, non, t'inquiète pas, il est occupé par le cuirassé. Par Espagnol. Occupe-toi du Kohlberg. Aussitôt après les torpilles, Espagnol, tu tournes à gauche. Pour un sac à pied. Ouais, elles sont lancées, les ouais. Espagnols. Non, c'est bon, vas-y, commence à tourner direct à gauche. Mais... légèrement vers la gauche, pas à fond vers la gauche. Légèrement. Ça te permettra de réagir au cas où. Et continue de tourner, hein. T'arrêtes pas. Attends. Non, là, à gauche. Encore ouais. Attends, tourne à gauche. Là, il faut cap maintenant, les gars. Je suis dans la zone, en fait. Je vais faire un tour. Pas espagnol. Je vais pas l'avoir. Et il faut que vous mettiez à deux pour accélérer le... pour vous accélérer le... dans la zone. Ouais, faut que je rentre dans la zone, je crois. Non, espagnol, non, ne cours pas après. Ah. Va à gauche. Ouais, je tourne, je m'en suis rendu compte, t'inquiète. Bah, le temps qu'il pivote... Fait torpille, coupe tes moteurs. Ah, putain. J'ai coupé. Relance aussitôt, parce que tu peux en avoir d'autres derrière. Jamais. Et là, tourne à donf, tu tournes à fond. Bon, je vais t'aider. Tourne à fond, t'arrêtes pas, tourne à fond. Ça, quoi. Non, va, reste pas tout droit, tu vas te prendre ces torpilles! Je tourne. J'espère vraiment, t'as de quoi réparer. Oh là là, vache, y'en a trop. Là, c'est foutu. My bad, tout ça. J'ai loupé tous mes tirs sur lui, je suis en retard. Ça va trop vite, moi j'aime pas ces saloperies. Pour moi, c'est le pire bateau du monde, quoi. Et Ogi, excellent. Trop nul, juste que t'as pas amélioré tes canons secondaires au niveau du commandant. T'aurais amélioré ton commandant, tes canons secondaires l'auraient fait facilement. Bah, à partir du moment que tu joues cuirassé, faut que tu joues avec tes canons secondaires. Ça, c'est important. Soit au moins un de tes commandants là ou. Oh, attention, toi tourne à droite, t'as les torpilles. Je les ai vus. Ou tes moteurs à fond. Ah, tu vas t'en bouffer. Ah, c'est chaud. C'est bon, vas-y, relance tes moteurs à donf. Et tant pis, t'aurais dû essayer de les caser sur le Königberg, pas sur le Isocasier. Le Königberg avait beaucoup moins de chances de pouvoir esquiver. Tourne à gauche. Voilà. Retourne à gauche. T'as miné casé qui a. Attention, tant pis. T'arrives à le terminer, il est mort. Il est mort. Mais l'autre. Voilà, c'est lui. Tu peux lui lâcher ta torpille là. Une fois que tu l'as tué, tu peux lui lâcher ta torpille. Elles vont être top. Fais gaffe que Mini Casier est toujours pas mort. Il s'est fait OS. Non, il est pas mort. Il a 255 PV, il t'a lancé des. Reste tout droit, il t'a envoyé des torpilles. Je sais, je suis en tournage. Ah, il a de la chance, c'est bon, c'était chaud. Attends, mais il est pas mort. Non, il est pas mort, chérie, il reste 255 PV. Il était en feu. C'est réparé, hein. Non, il peut pas, c'est un croiseur. Allez, tourne. Je sais que tu tournes, t'es mort. Non, raté. Prends ton temps. C'est pas grave. T'as du bon ref, normalement tu vas l'avoir au bout d'un moment. T'as juste tes tirs. C'est torpille par contre. Hein. Attention, reste méfiant au niveau des torpilles. Il les a tirés. Les gars, je vais pas sortir du cercle. Faut que je tourne à fond. C'est bon, c'est fini la seconde guerre mondiale là. Bon bah attention le torpille. Coupe tes moteurs. Ah, c'est mort. Oh, c'est, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, t'esquive. Voilà, relance tes moteurs maintenant. T'as le fro là. Pas les pixels quoi.
Ah, ton pote, il va. Je sais pas ce qu'il faisait, n'empêche notre pote là. Lui, il s'occupait d'un autre navire qui était. Qui était en G8. En tout cas, GG à toi, Franby, tu auras droit à ta vidéo sur YouTube. Ah, il est chaud. Ah, c'était chaud la fin. Bien joué à toi. Faut esquiver toutes les torpilles. Non, ne tire pas, ne tire pas. Ne tire pas parce que du coup, tu dévoiles ta position. Là. Ouais, je sais, c'est pas trop long. C'est fini là. Putain, c'est qui le dernier en vie? Il reste 4 minutes 50. Hein. C'est, c'est un cuirassé. Il a largement la possibilité de pouvoir couler. En plus, c'est un Miyogi. Quand il a 3 canons, il peut largement tout couler toi avec une seule salve. J'ai pas vu de la partie. À mon avis, il a FK. Coupe tes moteurs. Et repars légèrement en avant. Faut jamais rester sur place. Et tu iras plus vite en avant que en arrière. Bah, au pire, tourne sur toi-même. Ah, c'est fini. Hein. Et s'il lui tire. Le mec, il vous tire une fois dessus, il vous touche, le truc il baisse. Il gagne la game. Il faut pas qu'il faut pas que l'allié me touche aussi, sinon je coule. Quoi que si. Ouais. Bambi, félicitations, tu rentres dans les vidéos. Partie épique, ne jamais croire qu'une game est perdue. Ouais, c'est ça un peu, les médailles, c'est ça un peu, les médailles attribuées.